ワープラネット TV の白石はじめです。コンタクト、今日は WHO 世界保健機構の独立性を確保するためにインディペンデント WHO という活動をしているミッシェル・フェルネックス博士にお話を伺います。ボンジュール。博士は1929年にジュネーブ生まれで現在83歳。もともとはマラリアなどの伝染病がご専門で大学の医学部に在籍する一方、アフリカの熱帯地帯で医療活動に従事されてきたということなんですけれども、チェルノブイリ原発事故の当時は WHO の専門員をされてたということなんですけれども、博士が指摘されているこの WHO の問題っていうのはですね、どんな問題なのかというのをまず最初に教えていただきたいんですけれども、 l'OMS a été fondée en 1946 avec une magnifique constitution. C'était après la guerre. C'était un moment d'optimisme. Et l'OMS était chargée de la santé des peuples du monde entier. Pour cela,dans sa constitution figure former une opinion publique éclairée. Une opinion publique, ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas les spécialistes, ce n'est pas les médecins, c'est tout le monde doit être informé pour pouvoir défendre sa maladie. C'est magnifique, mais ça n'a pas été respecté. Pourquoi est-ce que les proceedings qu'on avait commandés n'ont pas pu être publiés ? C'était pour grave, parce que c'est une conférence organisée conjointement avec получить эти статистики. Никто из вашего правительства нам не высылает эти статистики. Et en 1956, l'OMS.Qui voit l'industrie nucléaire qui commence, a eu l'idée de réunir les généticiens, dont le prix Nobel Müller est les meilleurs généticiens du monde, pour voir quelles sont les conséquences de l'augmentation de l'industrie commerciale, pas de la guerre, de l'industrie commerciale du nucléaire. Et ces médecins ont dit le génome, donc nos gènes,c'est ce que nous avons comme bien le plus précieux. C'est ce que nous pouvons transmettre à nos enfants qui seront harmonieux et beaux. L'augmentation de l'industrie nucléaire va augmenter les rayonnements ionisants dans notre environnement. Ça va créer des mutations chez les sujets et ces mutations seront nuisibles à l'individu et surtout nuisibles à sa descendance.Ce message a été mal reçu par le lobby de l'atome. Le lobby de l'atome voulait une augmentation. C'est à ce moment-là qu'on a créé l'AIEA, qui a été créée tard, donc en 1957, pour promouvoir, pour la promotion, pour la propagande de l'industrie nucléaire.Pas pour sa sécurité, pour sa propagande. C'est dans les statuts disent, l'objectif principal, c'est l'accélération de l'augmentation de la contribution de l'énergie nucléaire à la paix, la santé et la prospérité dans le monde entier. Donc, il faut que ça grandisse et c'est avec ça qu'on sera heureux. L'AIEA, ça c'est pas l'OMS. L'OMS a dit, si ça grandit,nos gènes vont souffrir et nos enfants vont souffrir. Donc il y a une compétition OMS-AIEA. Et l'AIEA, qui dans les Nations Unies est placée tout en haut de la hiérarchie, a eu en 1959 un accord avec l'OMS, qu'ils ont signé tous les deux,qui dit que dans le domaine du nucléaire, l'OMS n'est pas libre. L'OMS ne peut faire quelque chose qu'à condition que l'AIEA soit du même avis. Donc l'OMS n'a aucune initiative. Et dans les années qui ont suivi, on a même dit que l'OMS ne peut plus s'occuper des radiations ionisantes, donc de la pollution, de l'industrie...ou d'autres dommages liés à cette technologie nouvelle
qui est le nucléaire. On ne l'a pas vue. Elle a laissé l'Agence internationale pour l'énergie atomique sur place. The consequences of Chernobyl do not fade away, but actually grows increasingly uncertain. Gonzalez's presentation with doses need not fear serious health consequences as a result. Нет, у Чернобыля. Это удивительно. Генетические последствия – это одни из главных будут теперь. Десятки научных, серьезных, опубликованных в очень серьезных журналах показывают, что генетические последствия серьезны. Мы же не знаем, какие у нас будут последствия. Вот от этих маленьких Почему доз, которые постоянно... Почему не знаете? Ну разве можно говорить, что мы не знаем? Да мы все знаем о радиации. И ничего Чернобыль нового не внес. Он внес только в умы тех, которые ничего не знали. Фернекксан も出演されている映画のですね、真実はどこにというのを拝見して、まあ、WHO を舞台にですね、非常にこうチェルノブイリの健康被害のデータについて激しくまあ意見が対立しているという状況を拝見してですね、まあ、そういうことがあるということ自体もなかなか日本では知られてない状態にあるんですけれども、実際のところチェルノブイリで起きている事実というのは、まあ、どんなような報告が上がってきているのか、たくさんいろいろあると思うんですけれども、まあ、いくつかちょっと事例あるいはその状況全体が分かるものを教えていただきたいんですけれども。 Oui, résumer les études qui ont été faites à Tchernobyl, c'est un très grand travail. Yablokov a réuni 5000 travaux qui ont été faits et dans un livre qui a été publié par l'Académie des sciences aux États-Unis, en anglais, avec une traduction française, que l'Occident ou l'AIEA ne regardent pas. Ils ont été écrits dans une langue étrangère, donc on ne les connaît pas. Bandachevski, quand même, a montré la pathologie du radiocésium pour tous les organes, et la pathologie du radiocésium, ensuite, a été étudiée en clinique. Finalement, ça reste au centre des découvertes. Plus on regarde, plus on se rend compte, contrairement à ce que disent certains, que l'irradiation interne est beaucoup plus toxique que l'irradiation externe. Externe, ce n'est que des rayons gamma qui viennent de façon diffuse. Interne, ce sont des radionucléides qui sont concentrés dans des organes. Le strontium avec des rayons bêta est à la surface de l'os, irradie les cellules qui fabriquent le sang. Donc là, il y a des maladies qui sont topographiquement liées à la place du strontium. Le césium est par exemple dans le cœur et il y a une pathologie cardiaque. Il est aussi dans les glandes endocrines, il y a une pathologie des glandes endocrines. Probablement dans les glandes génitales, vous avez un retard de la puberté chez les fillettes, voire une stérilité qui peut aussi apparaître chez les hommes. Donc ça, c'est un phénomène d'atteinte des glandes à sécrétion interne. La thyroïde est aussi atteinte. Il n'y a pas que l'iode qui touche la thyroïde, mais d'autres radionucléides, dont le césium, qui s'y concentrent. Et puis, il y a le système immunitaire, notre système de défense contre les maladies et contre le cancer, qui est gravement atteint par les radiations. Tout ça se produit, tout ça a été démontré, mais tout ça reste très difficile. Je vais juste vous donner un exemple de travaux expérimentaux qui ont été faits, qui existent dans énormément de pays, dans les forêts. Ces souris ont des atteintes génétiques importantes quand l'irradiation est élevée, mais aussi lorsqu'elle est peu élevée. Il y a une différence de 100 fois et on a les mêmes phénomènes. Donc on ne peut pas dire qu'il y a une faible ou une forte irradiation. L'irradiation pour le système génétique, donc pour notre génome,
est toxique à tous les niveaux. Ce qui est grave, c'est qu'à toutes les générations, cette toxicité monte, augmente. Alors chez les animaux, on a pu suivre 22 générations, et pendant 22 générations, la fragilité du génome a augmenté, avec une augmentation des mutations, une augmentation des maladies génétiques. Chez l'animal, ça s'est traduit surtout par une mort fœtale, par une stérilité. Chez les humains, après Tchernobyl, on a aussi vu que les enfants des irradiés étaient génétiquement plus malades que leurs parents. Donc, les liquidateurs, qui sont ceux qui travaillent pour éteindre un incendie, sont irradiés, ils sont génétiquement modifiés, leurs enfants sont plus altérés qu'eux génétiquement. Et on sait déjà qu'à la deuxième génération, ça continue à monter. Ça, c'est une des choses qui nous inquiète le plus. C'est l'atteinte génétique au cours des générations qui viennent. Я 7 лет болею. Тебе сейчас сколько? Мне уже 14. 7 лет болею, да? 14. Чем болеешь? Системная красная лучанка. А что у тебя болит, расскажи? У меня болело сердце. Сердце у меня обнаружили шумы в сердце. И сюда теперь на свидание. Ты можешь играть, бегать? Mm-mm. Нет. Одышка сильная. Тяжело. Тяжело бегать. Темно в глазах темнеет. В 98 году у меня был инсульт. Я все лето пролежал в больнице 3 месяца. И что у тебя было, когда у тебя инсульт был? Вот у меня левая нога отнялась, рука отнялась, и вот это вот лицо, левая часть. Жаль, что у меня порог сердца, наверное. Тебе сколько? 13. Уже вот тут в этом 8 детей было. Они такие вот так, как сонные, все равно. Такие, ну, просто не такие дети, как треба еще. Весело бегают, катались вот зимой, тепло катались на лед, на санках. А теперь они, коли хочешь, полягут, да спять, то сидят. Ма, その解決方法としてこれを回避していく、乗り越えていくために、どういう方法があるというふうにお考えになるでしょうか。Et là, à Tchernobyl, il y avait de grands désordres dans le système immunitaire, et il y avait aussi des anticorps qui étaient dirigés contre des organes de l'enfant. Donc, des maladies qu'on appelle auto-immunes qui se sont produites. On peut les voir venir, ces maladies, parce qu'on voit... on peut mesurer les anticorps contre la thyroïde, contre les îlots de Langerhans qui font l'insuline dans le pancréas. Et on peut voir, là il y a un risque de diabète, là il y a un risque d'insuffisance thyroïdienne. Donc il y a des travaux à faire, mais la pathologie viendra plus tard. Des traitements antioxydants par des régimes alimentaires de grande qualité, sur, justement par les antioxydants qu'on peut consommer avec les aliments, qui sont des légumes et des fruits. Les antioxydants ne sont pas chers sur le marché. C'est des betteraves, c'est des carottes. On peut en donner à tous les enfants sans avoir besoin. En principe, il faut qu'ils soient propres, qu'ils ne soient pas contaminés. Donc, le travail est à faire maintenant. Et je trouve que les familles sont raisonnablement inquiètes et que la faculté de médecine ne l'est pas encore assez. Son rôle, c'est de prévenir, si possible, et pas de guérir. Éviter qu'un désastre se produise. Ça, c'est la médecine. Oui. 今日はですね、インディペンデント WHO の活動をなさっているミッシェル・フェルネック博士にお話を伺いました。博士、ありがとうございました。